Bonjour à tous, moi c'est Corentin, la voix de princesse dans le corps de sanglier. Voilà, aujourd'hui on se retrouve pour 48 heures en gravière, donc dans le département de la Moselle. Ici on va faire une pêche exclusivement d'herbier. On va carrément pêcher dans les herbiers, on va pas forcément essayer de trouver des grosses trouées, mais on va pêcher à fleur des herbiers, là où les carpes se nourrissent réellement en fait, et pas forcément toujours dans les trouées. Pour ce fait, je vais utiliser des montages éjectables, donc des plombs éjectables. Je vais utiliser des galets, des cailloux, ce que je trouve en général sur mon poste. Avec ça, je vais mettre une chambre à air directement qui vient prendre la pierre. Et ce qui me permet à la touche en fait, de perdre mon caillou ou ma pierre. Ce qui se passe en général ici quand il y a une touche, c'est que les poissons vont directement se tanker dans les herbiers. Ils nous attendent bien gentiment. Donc pour la sécurité du poisson, c'est bien. On n'a pas besoin d'être trop réactif. Si tu dors un petit peu, c'est pas très grave. En ce qui concerne la stratégie de pêche, j'ai mis 4 cannes pour 4 spots totalement différents. C'est-à-dire que même si je vais pêcher les 3 quarts du temps à fleur des herbiers, je vais quand même essayer une canne dans une grosse trouée, évidemment, parce qu'il faut jamais mettre tous ses œufs dans le même panier, comme on dit. Une donc dans une grosse trouée, une à fleur des herbiers. J'ai été me balader en bateau, j'ai eu la chance de voir 5 ou 6 carpes qui étaient en dessous d'un saule pleureur, entre un arbre immergé et une espèce de structure en bois. Donc j'ai posé ma canne sur le nez des poissons en espérant qu'ils reviennent la nuit parce que bon, la journée est déjà passée, bien entamée, pour l'instant c'est toujours muet. Les deux autres cannes, elles pêcheront vraiment, ce sera des têtes chercheuses. Donc ici, c'est uniquement de la pêche au spot, c'est pas d'amorçage massif. Étant donné qu'il y a un peu de silure, ben, on évite absolument les amorçages massifs. C'est uniquement des petits spots dans des petits endroits et on verra ce que ça dit. En ce qui concerne la gravière en elle-même, c'est une gravière totalement abandonnée en fait. Donc il n'y a plus de règlement, il n'y a plus rien. L'avantage, c'est que je la connais un petit peu, j'ai déjà pêché auparavant. Je vais sur un terrain que je connais plus ou moins. Ça ne garantit pas le succès, évidemment. On ne sait jamais comment les poissons vont réagir à la pression de pêche. Bon, par chance, je suis tout seul ici sur une bonne avancée. Donc, j'ai un angle de pêche incroyable. Ce qui fait que j'ai pu largement m'écarter parce qu'en fait, l'avantage ici, on est en semaine. Et il n'y a pas de pression de pêche du tout la semaine en général. C'est très rare. Ici, maintenant, ça fait 2 semaines en Moselle qu'on a des fortes chaleurs. L'avantage, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de profondeur, donc le plan d'eau se réchauffe très vite et les poissons ont certainement déjà tous frayé. Donc de ce côté-là, c'est un gros souci en moins. Donc au niveau des montages, je ne me suis pas cassé la tête. Quand je trouve quelque chose qui fonctionne, je persévère avec ça. C'est ma ligne de conduite. Ici, on est parti sur 3 Ronny rigs, sur 3 cannes évidemment, et la dernière canne, un bête nœud sans nœud. On ne le dira jamais assez, mais c'est le montage pour moi le plus efficace. C'est quelque chose de très simple à réaliser pour les débutants comme pour les confirmés. Et ça prend du poisson partout. J'ai déposé ce nœud sans nœud sur le spot sur lequel j'ai pris le plus de poissons depuis que je viens pêcher ici. Parce que c'est une présentation simple. J'ai mis un bonhomme de neige sur cette canne. Et c'est uniquement pour alléger mon montage. C'est en aucun cas pour varier les couleurs, etc. Parce qu'ici, je pêche exclusivement à la bouillette. Donc en général, partout où je vais, je pêche que à la bouillette, j'utilise pas de graines. Donc des micro-spots, un bonhomme de neige avec une pop-up de la même couleur que ma bidance, uniquement pour alléger mon montage et faciliter l'aspiration et la piqûre du poisson. Le reste, tout ce qui est fluo et tout ça, j'ai mis un peu sur d'autres cannes, mais c'est vraiment pas ma priorité. Ma priorité, c'est de donner au poisson, de mettre sur mon hameçon ce que je donne au poisson en amorçage. Ça, c'est ma théorie, que ce soit pour ici ou ailleurs. C'est vraiment la manière dont j'aime pêcher. La canne que j'ai placée où j'ai vu les poissons, c'était une canne sur laquelle je misais beaucoup la journée. Étant donné que je les ai vus, je pensais les prendre tout de suite ou presque. Bon, la soirée n'est pas terminée, elle peut encore prendre jusque ce soir. La nuit, je pense que ça va être plus compliqué, il y a très peu d'eau. Et les poissons ont tendance à plus naviguer la nuit dans la pléno. Là où j'ai mis mes 3 cannes, évidemment, mes 3 autres cannes sont dans la pléno. Celles-là, elles sont exclusivement pour pêcher la nuit. Ça peut très bien prendre du poisson en journée, il n'y a pas de problème avec ça. Mais je sais très bien qu'avec les chaleurs qu'on a, elles vont fortement se déplacer la nuit et on espère tomber dessus cette nuit et vous revoir demain matin pour le débrief parce que si malheureusement on est capot cette nuit, on va plier bagages et on va aller sur un autre plan d'eau pas très loin où on pourra faire du stalking et une pêche totalement différente. En attendant, on n'y est pas encore. On va manger un bon bout avec Lilian, boire un peu de picon et puis on va espérer toute la nuit faire du poisson et je suis sincèrement confiant, je pense que ça va aller.
Tu es obligé de te dire que ce sera avec modération. Avec modération. Je sais pas où il est, mais... Tu veux que je leur dise, tu veux que je leur fasse la phrase avec modération ? Non, c'est bon, ok. Ça, c'est le passage, hein. C'est sûr et certain. Du coup, tu recherches quoi dans les jardins ? Des petites trouées, s'il y a des cailloux apparents, mais en fait, je favorise les zones nettoyables plutôt que déjà nettoyées, tu vois. Ouais. Les zones déjà nettoyées sont pêchées par énormément de monde. Moi, je suis plus du genre à essayer de chercher ce que les autres ne pêchent pas. Des fois, ça fait la différence, des fois, ça marche pas, mais là, je vois, c'est une zone qui est pas totalement nettoyée. Par contre, c'est clairement nettoyable, quoi. Donc, j'ai déjà amorcé la zone là parce que c'est sûr que je vais la pêcher du coup. Donc là, on est en plein les herbiers, il y a une grosse trouée là-bas, mais tu choisis quand même de pêcher ici. Ouais, je préfère largement les petites ouvertures que les grosses qui sont tellement évidentes que, en fait, les poissons connaissent, ils sont quand même pêchés. Je pense qu'ils s'habituent aussi aux bouillettes, etc. Et c'est toujours les mêmes spots qui sont pêchés, après il faut les changer parce que c'est. En fait, c'est évident quoi. Quelqu'un qui a trouvé une bouillette. Ah bah ça, c'est pas pris, hein. Les aventures de Tintin. Les aventures de Tintin persécarpe. Oh putain. Une bouse. C'est ouais. La vie, hein. C'est ça, de vouloir être une star du cinéma. Ah oui, Jean-Claude Van Damme. Et ouais, dommage. C'est comme ça, elle a été faite, c'est le principal. Hein. Ouais, on a un petit bout de vidéo quand même. Un petit bout. C'est assez, hein. On fera avec. On fera avec. On va en faire d'autres, de toute façon, on va en faire d'autres, des plus grosses. Déterminé là. Ouais. Du coup on bouge, on se casse. On se casse. On replie tout. Là on a un pêcheur qui s'est installé juste quand on est sur le poste à notre gauche, qui je pense va bien me barrer la pêche parce que ça mordait un peu de ce côté-là. Je vais pas prendre le risque de rester une nuit en plus, sachant que moi j'ai fait 3 départs pour 2 poissons. Et on va bouger de. C'est ce que j'aurais fait en temps normal, alors tournage ou pas. On fait ce que j'aurais fait en temps normal, hein. C'est ça le but. C'est ça. Bon, par contre, s'il n'y avait pas eu de tournage, tu aurais pris une photo de la deuxième. Peut-être sur la berge, ouais. C'est comme ça, c'est pas grave. Test micro 1-2. Bon voilà, on se retrouve dans cette deuxième partie de la vidéo, on va dire. On est installé ici depuis quelques heures sur le nouveau plan d'eau. Plan d'eau que j'ai la chance de pêcher, qui est pas ouvert au public, en fait, c'est la gravière d'un copain, donc on va passer la dernière nuit ici. Donc j'ai pris la décision de bouger ce matin parce que un personnage s'est installé sur le poste d'à côté. Ce qui se passe, c'est que moi j'avais vraiment une pointe avec une ouverture immense. Et le mec s'est posté juste sur ma gauche. Et l'objectif, c'était vraiment d'aller sur ce plan d'eau-là en semaine parce qu'il n'y avait personne. Et le mec s'est pointé à 8h du matin pour me couper royalement dans ma pêche. Donc j'ai décidé de partir parce que simplement, avec ou sans caméra, je serais parti. C'est comme ça, je ne vais pas à la pêche pour avoir
avoir des voisins, j'ai envie d'être tranquille, de faire ma pêche comme je veux. Et donc sinon, bah, on a fait 3 touches pour 2 poissons, dont un qui s'est envolé pendant la séance photo, qu'on a su rattraper une fois. Mais la deuxième fois, malheureusement, il a pris son chemin. Et puis voilà, on a un tout petit passage, je pense, de ce poisson-là. Donc moi, j'ai une vieille miroir, vraiment une belle petite miroir. Bon, 2 petits poissons, mais c'est pas. Moi, je ne suis pas un spécimen hunter, je m'en tape complètement. Je suis là pour les poissons, qu'ils soient petits ou gros. Et du coup, ben là où c'est quand même concluant, c'est que sur 4 cannes, il y en a 3 qui sont partis. Donc la stratégie qui a été mise en place était bonne, clairement. Malheureusement, une décroche parce que le caillou n'a pas sauté. Bon, ça arrive parfois, ma foi, c'est le risque. Donc on en revient au déménagement. On était mangé un bout ensemble entre copains à midi. On est arrivé tout de suite ici sur le plan d'eau. Ce qu'on a fait avant d'aller poser les cannes, moi déjà j'ai amorcé 2 spots que je connais parce que j'ai un peu l'habitude de pêcher ce plan d'eau là. J'ai amorcé 2 spots que je ne vais pas pêcher pour l'instant, que je tendrai les cannes dessus la nuit. J'ai mis 4 cannes sur 4 spots pour la journée et je vais mettre les 4 cannes sur 4 spots amorcés uniquement pour la nuit. Donc ici on est positionné entre 2 étangs. On va pêcher les 2. J'ai 2 cannes dans ce qu'on appelle le petit et 2 cannes dans le grand ici derrière moi. Avant d'aller mettre les cannes avec Lilian, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait le tour du grand étang en zodiac pour aller un peu repérer, voir si des poissons voulaient bien se montrer. Chance pour nous, on en a vu difficile de les compter même, dont Lilian a vu un très beau spécimen dans les nénuphars. Ici, il y a vraiment. On reste un peu dans le thème des herbiers parce qu'il y a quand même des endroits avec des belles poches d'herbe. Il y a beaucoup de nénuphars, c'est très 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 sauvage, il y a des arbres dans l'eau. En fait, il y a multiples possibilités sur ce plan d'eau. On est tranquille et moi c'est tout ce que je recherche en fait. C'est vraiment le côté sauvage, faire ce qu'on veut, varier sa pêche. En ce qui concerne l'amorçage, la présentation des appâts et les montages, c'est exactement la même chose que pour ce matin et hier sur l'autre plan d'eau. Je vais rester avec un amorçage à la bipure. Pêcher à la bipure ou pop-up, mais toujours de la même couleur que l'amorçage en général. Décoller ou pas, sur 4 cannes, je varie en fonction de où je pose mon montage, bien sûr. Donc ici, derrière moi, on a 2 îles. Il y a un spot que j'ai amorcé pour la nuit, que je pêche pas pour l'instant, parce que celui-là, il est vraiment tout près. Donc pour la nuit, c'est pratique, parce qu'on peut combattre du bord. J'ai pas peur de combattre en zodiac, mais... Pour la sécurité du poisson et tout, c'est beaucoup mieux parce qu'en allant chercher la bordure au fond du lac, de l'étang, on est directement dans les arbres, il faut pêcher frein serré, sardine au cul de la canne, tout ce qu'on veut. Alors ça se fait, bien sûr, j'ai déjà fait, mais je me suis rendu compte au fur et à mesure que je venais que d'amorcer un spot sur l'après-midi, ne pas le pêcher, ça faisait en général des gros résultats sur la nuit et j'espère que ce sera le cas. J'espère qu'on ne va pas dormir beaucoup. Et ensuite, mes autres cannes sont dispatchées vraiment. Il y en a 2 qui sont devant des nénuphars. Et en fait, on pêche ici 100% les bordures. C'est-à-dire que j'ai pas de canne en pleine eau parce que ça ne m'intéresse pas. C'est pas ce que je cherche ici. Quand on s'est baladé, d'ailleurs, tous les poissons qu'on a vus étaient en bordure. Hein, sauf au fond du plan d'eau, il y a une surface assez plane avec très peu d'eau. Mais bon, pareil, toujours des nénuphars. Les poissons étaient là. On a même vu une koi, si elle peut nous rendre visite, ce serait super, ce serait le Graal. Et donc voilà, je suis resté sur 3 cannes, j'ai 3 Ronny Rig et j'ai un montage nœud sans nœud. Pareil, le nœud sans nœud, je le mets toujours sur le spot auquel j'ai plus confiance, même si j'ai 100% confiance en mes montages, que ce soit le Ronny Rig ou le nœud sans nœud. Mais par question de principe, un nœud sans nœud, je lèche toujours avec 2 bouillettes de 20 mm dense. Ça c'est... ma ligne de conduite, ne me demandez pas pourquoi, c'est secret. Donc ici maintenant, il est aux alentours des 18h. Je vais laisser encore pêcher pendant 2-3 heures sur les spots là. Et ouais, vers 21h, je dirais, j'irai redéposer sur les spots que j'ai amorcés pour la nuit. Et puis en espérant que ça fasse mouche, quoi. Hein, parce que, bon, on a déjà du poisson, c'est très bien. Mais si on peut encore en faire, c'est mieux. Et si dans le tas, il y a une un peu plus grosse, ce serait vraiment bien. Putain, devant Koh-Lanta, Koh-Lanta est raté à cause d'elle. Ouais. Oh. T'as le bœuf. Ah là, on est poids lourd là. Oh bah, mais je sais même pas comment j'ai vu l'épicette.
Bah ouais, putain, énorme. La piqûre est impeccable. L'hameçon est plus gros que la bouche. Ouais. Oh, c'est... Ça rentre pas, ouais. Très, qu'est-ce qu'il y a ? Très limite, quoi. Tu ne dormais pas profondément ? Non. T'es étonné, hein ? Ouais, bah j'en ai essayé d'avoir. Ah ouais ? Putain, là, j'ai pas entendu. Pour la canne là-bas derrière. Ouais, une petite encore ou ? Ouais, une petite, j'aime bien l'eau tout de suite. Voilà les gars, on se retrouve au matin de la deuxième nuit sur la deuxième destination. Donc une nuit très fatigante. On a déroulé toute la nuit, toutes les cannes ont démarré. Donc ça a commencé hier à minuit avec la prise d'une toute petite carpe, vraiment 200 grammes à peu près. Bon, c'est pas grave, c'est la touche qui compte, ça a démarré la pêche, c'était tout ce qui m'intéressait. On a gardé 3 poissons sur les... 6 touches que je fais, je pense, 6 touches, il me semble, sur la nuit, à peu près toutes les heures, de toute façon. Donc, les cannes ne restaient vraiment pas longtemps sur le spot parce que j'avais amorcé, donc, comme je vous avais expliqué, toute l'après-midi la veille, sans les pêcher. Je les ai redéplacés le soir. J'ai rapproché mes spots au plus près pour pouvoir faciliter les combats, l'épuisage du poisson. Et tout s'est déroulé comme prévu, c'est super. On est à 2 miroirs pour une commune, du moins dans ce qu'on a gardé. On a fait quand même pas mal de petits poissons, hein, qu'on a relâché tout de suite. Donc, en termes de gabarit de poisson, ben, on n'est pas monté très haut en poids, mais ce n'est pas du tout ce qu'on était venu chercher. Moi, ce que je m'étais fixé comme objectif, c'était un poisson par 24 heures ou un poisson par destination. Sachant que là, on en a fait 2. Je voulais un poisson par destination. J'en ai eu 2 pour la première nuit. Et bah, 3, on va dire, qu'on a filmé et gardé pour la seconde. Donc, c'est objectif réussi. Et les stratégies mises en place ont correctement fonctionné. Et c'est tout ce que je voulais. Et donc, on a gardé le même schéma de pêche que pour la première nuit, en fait. Hein, même si les deux destinations sont totalement différentes. Je suis resté sur des montages simples et auxquels j'ai 100% confiance. Des spots que je connaissais, d'autres que je connaissais pas. J'ai quand même essayé des spots que je connaissais pas. Mais bon, toujours le même principe, des micro-spots, une dizaine de bouillettes ou 20 max par spot. C'est exactement la stratégie que j'utilise partout. Alors des fois, ça peut aussi me porter préjudice parce que bon, il y a des endroits où ça ne répond pas toujours bien comme ça. Là, ça s'est passé super bien, on est content. J'étais confiant et je pense que ça fait une grosse partie du travail quand on est confiant, qu'on sait ce qu'on fait, on a confiance en sa pêche, ses montages, ses appâts. Un peu d'observation, on a quand même fait le tour avec Lilian à chaque fois. Enfin, sur la première destination, j'ai fait tout seul, j'ai fait le tour du plan d'eau pour observer. Ici, pareil, quand on est arrivé, on a fait le tour tout de suite, on a repéré un peu où étaient les poissons et tout. Et ça fait clairement partie de la réussite, étant donné qu'on arrive tout de suite à trouver des poissons, à savoir s'ils sont en train de s'alimenter ou plutôt en train de se dorer la pilule au soleil. Et on a su s'adapter, c'est très très bien, quoi. On n'était pas venu chercher des spécimens. Et le but, c'était de faire de la touche, on en a fait. Maintenant, c'est l'heure de remballer, on va replier ça tranquillement. Là, on vient de finir les photos et les vidéos des poissons. On va peut-être aller manger un truc quand même. Parce que bon, on n'a pas dormi beaucoup, du coup, dormi un peu plus tard ce matin. Pas mangé. Ça grouille là-dedans, il faut remplir le bazar. Donc ouais, on va plier. Lilian après reprendra la route. On a passé un agréable moment. Franchement, c'était super. D'ailleurs, je tiens à te remercier, Lilian, d'avoir fait le déplacement. Avec plaisir. C'était vraiment... c'est une bonne expérience. C'est la première fois devant les caméras. Donc bon, j'ai pas trop l'habitude.
Je vous remercie à tous en tout cas d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que vous aurez apprécié. N'hésitez surtout pas à aller sur nos réseaux sociaux, que ce soit Facebook ou Instagram, Avid Carpe France, et bien sûr la chaîne YouTube Avid Carpe France TV. Lilian, il travaille énormément derrière les caméras pour faire du bon contenu. On sort des vidéos très souvent. Et les pages Facebook et Instagram, bien sûr, pour ne pas rater nos nouveautés. Et on se dit à la prochaine. Ciao! Pas tombé maintenant. Ouais. Hein?